Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau stream. Et voilà, comme promis, on fait bel et bien un stream de Kakarot par an, on est d'accord, on est d'accord, on est bien parti en tout cas, on est bien parti. Du coup, voilà, c'est bien, on adore continuer. Non, mais pas trop de Dragon Ball d'un coup, parce que sinon la hype est beaucoup trop présente et du coup. Non, plus sérieusement, ouais, non, mais là les streams au niveau planning, c'est un peu chaotique. Je m'en excuse, c'est compliqué. Mais bon, j'espère qu'on va réussir à restreamer d'une manière. De manière plus ponctuelle, j'ai envie de dire. Là, Goku est déjà reparti dans l'au-delà. Mais non, c'était pour rester crédible avec la précédente quête annexe qu'on avait fait avec Nan et compagnie. Où ça disait, oui, on a attendu 10 ans, je sais pas quoi. Là. C'est ça, en fait. Je déteste quand le truc n'est pas RP, évidemment. Donc, du coup, tout va bien maintenant. Bref, bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc le jeudi, c'est normalement pas de 5 jours je crois. Non, c'était pas 5 jours, hein, c'était bien plus. 5 mois en sub et des années dans le cœur. Ah, merci beaucoup Nokito pour l'abonnement et ben, pour tout. Pour les années de suivement. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Salut, c'est Lumikan de Luma. Salut Lumikan de Luma. Bref, comme d'habitude, on va avoir un gameplay sensationnel. Et merci beaucoup Ghosty pour le cheer. Salut Delouis, tu y crois à la sortie de Breath of the Wild 2 cette année? Bah, honnêtement, c'est crédible. Honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment très très crédible. Honnêtement, je trouve vraiment que c'est très très crédible que ça sorte cette année. Parce que bon, 5 ans depuis Breath of the Wild 1, donc... Mais bon, on n'est jamais à l'abri, évidemment, d'un petit délai, mais... C'est possible, en tout cas. Moi, j'y crois. Comment ça, jeudi? Bah ouais, jeudi! Jeudi! Bah ouais, jeudi! Stream du jeudi! Non, mais 2022, c'est l'année de... Waouh! Ah non, c'est... Waouh! Non mais jeudi, non mais 2022, c'est l'année des folies, on stream le jeudi maintenant, attention. Ce serait plus vers la fin de l'année. Ouais, ce serait probablement vers la fin de l'année, hein, de toute façon. Je me souviens plus, on a rencontré Boo, mais non, même pas, on s'est arrêté avant la pièce croustillante, justement. On s'est arrêté avant la pièce croustillante, donc du coup... En vrai, là, il va y avoir du... Là, il va y avoir des trucs intéressants actuellement. Donc du coup, je sais pas à quel point il va y avoir beaucoup de skips. Je vous avoue que... J'ai raté quoi? Rien pour le moment, rien. Je vous avoue que là, j'espère qu'il y aura pas trop de skips, même si je sais pas trop comment ils vont... Enfin, s'ils vont scénariser les prochains combats, ce serait plutôt cool. Parce qu'au final, là, les deux persos éventuellement qu'on va affronter, c'est pas des personnages. Enfin, je dis éventuellement, j'en sais rien. Voilà, cinématique pour la mort de Kibito. Il a été désintégré, hein. Yamus Popovic, les deux persos dont personne se souvient. D'ailleurs, ouais, au point où on les a même pas affrontés, d'ailleurs. Je mise sur Pupi et Yakon qui vont être skip. Mais justement, en fait... peut-être que Yakon sera skip, Pupi peut-être pas. Mais s'il y en avait un des deux qui devait être skip, je pense que ce serait Yakon. Parce que il est pas beaucoup... il est pas beaucoup mis dans les jeux vidéo, malgré tout. C'est trop bizarre de voir le jeu quand même. En mode, t'as l'habitude de l'animé, il prend son temps quand même. Hein. L'animé prend son temps quand même. En plus, je l'ai revu récemment cet épisode en plus, incroyable. Ah oui, c'était pour le montage, évidemment. Ah, bravo, tout le monde gagne de l'ex. Félicitations. Ah, trop bien, on a tout le monde avec nous. Donc quoi, hein, on aurait pu s'arrêter un peu plus tard et avoir tout le monde avec nous, mais nous on a dit non. Nous on a dit non, non.
On sert à rien, c'est bien plus fun de machin. Salut à ceux qui arrivent. Besoin du chant du crapaud pour être réanimé. Mais justement, là en fait je suis curieux parce qu'il y a plein mal de il y a pas mal de trucs sympas. Là normalement il va y avoir la scène mémorable du John Kenpon qu'on appelle Pierre Feuille Ciseau en français. Et, ne faites pas l'affront s'il vous plaît de l'appeler. Merci beaucoup Yuyu pour l'abonnement. Je l'envoie toute mon énergie à travers ce sub. Merci. Là il y a le ne dites pas chifoumi s'il vous plaît. On va avoir la fameuse scène du Pierre Feuille Ciseau évidemment. C'est au cœur même de Dragon Ball en plus. Chine, grosse fraude sur DBZ. Oh, allez, pas tant que ça, il fait de son mieux quand même. Ah, si, attendez. Oh, oui, ah, oui, bien sûr, évidemment. Avec un super. Allez, c'est parti. En français, il dit c'est parti. Hein. Oh, on les voit pas. Oh, on les voit pas, la déception. Bon, au moins, ils ont pas fait l'affront de le retirer, contrairement au machin. J'oublie le truc là, de coup de poing. Ça par contre, c'était dommage. Ouais, le combat contre Yakon, bah, je sais pas. J'espère en tout cas. J'espère. Parce que, comme je disais, je sais plus si dans Boo's Fury. Il y avait le combat. Elle fait pas de stream elle aussi, mais ça lui arrive d'en faire aussi. Hein, si, on fait tous les deux des streams. Dommage, on voit pas, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que Shin est décrit comme super fort, mais il se fait écraser par tout le monde. Mais Shin est fort! C'est juste que les autres sont très forts! Ah, on va même avoir le changement de zone actuellement. Enfin. Ah ouais, non, si, vraiment le changement de zone et tout. Oh, c'est stylé. C'est pas une fraude, Shin. Arrêtez. Il est fort quand même, c'est juste que comparé aux autres, bon bah, évidemment qu'il est. Ah, je me suis trompé, là aussi, Attendez, il faut que je me rappelle des boutons, hein, évidemment. Enfin, techniquement, il n'y a pas besoin de se souvenir d'autant de boutons que ça. On a juste besoin de savoir faire Big Bang Attack et c'est tout. On s'en fiche du reste, le reste ne sert à rien, évidemment. Avec Vegeta, on s'en fiche. On fait juste ça, on a dit. C'est la règle. On ne change pas une équipe qui gagne. Bon, au moins, on fait le combat. Et c'est ça qui est beau. Moi, je dis c'est ça qui est beau. Voilà, c'est bon, on a gagné. Les dégâts de pupilles sont incroyables. Évidemment. Salut Firefeu. Ah mais c'est important, on est obligé de jouer Vegeta comme ça. C'est la règle. C'est la règle. En plus on joue en japonais donc c'est la règle. Ça va bien. On vient de faire le plus beau combat de tout Dragon Ball, donc forcément que ça va bien. Honnêtement, il devrait faire Dragon Ball Z. Vegeta Big Bang Attack. Hein. Là, ce jeu-là, il se vend. Absolument. Comment tu joues autrement Vegeta? Mais oui, mais non, tu peux pas jouer autrement Vegeta, c'est le seul moyen. Il a le Final Flash à ce moment du jeu. Ouais, il l'a. Mais faut pas jouer avec ça, faut jouer Big Bang Attack. Avec le fameux cri et tout. Bon. Ça va être le moment. D'ailleurs, je sais même pas si on l'a. Allez, voilà. En vrai, c'est plutôt logique qu'on l'affronte pas parce que. En vrai, de vrai, le combat. Il est spécial dans le manga.
勝負を早く終わらせるためにこれからお前の大好きな真っ暗闇の世界暗黒星に連れて行ってあげるからね。たっぷりとエネルギーをいただく。C'est quand même un sacré monstre en jeu. どいつから食ってやろうかな。En vrai, on va l'affronter. Oh, on l'affronte. Mais normalement, l'affrontement de Sangoku est quand même assez spécial dans le manga. Puisqu'il ne l'affronte pas vraiment de la manière qu'on l'entendrait. Du coup, bon, forcément, ça peut pas se rendre en jeu vidéo. Mais son combat est sympa. Son combat est sympa. Enfin, si on peut appeler ça un combat, on me dira. Mais ah oui, non mais d'accord, on respecte rien en fait. Ah oui, on est d'accord. Il y a pas de respect parce que ici on respecte. Non mais toujours dans. Wow. Ah ouais, non mais ok, dans le respect peut-être, mais. Ah mince, ok, d'accord, je le soigne, je crois bien. Je crois bien que. Le pire, c'est que je crois que je l'ai genre beaucoup soigné en plus. Je crois que je l'ai beaucoup soigné actuellement. Mais bon, après je suis encore pas dans le mood là des combats, si je puis dire. Enfin, c'est pas dans le mood, je veux dire, mais j'ai encore du mal avec les contrôles parce que comme j'ai la bonne idée de pas enchaîner les parties. On va faire un petit. Ah mais non. OK, mais oh bah OK. Je me trompe de bouton, c'est un truc de fou. Je veux faire des esquives, pas des attaques. C'est compliqué. C'est la reprise aussi. Non mais il faut que j'arrête d'appuyer sur le bouton A pour esquiver en fait. Tirez, je continue hein. Je continue, moi je. Ils auraient dû, ouais mais non. Je devrais changer finalement. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je devrais rechanger finalement les boutons. C'est la grande question que je me pose tout le temps de toute façon. Hein. Mais il y aurait pas de problème si je pouvais enchaîner les streams et que je faisais pas. Oh, il a évité ma super attaque là. Je suis en train de me faire dégommer. On triche là. On en a marre là. Eh mais c'est Yakon, mais ouais. Genre des fois il a le droit d'exister. C'est un des rares jeux où il existe hein, finalement. Donc, hein. Il m'enchaîne quand même. Ah je suis mieux transformé. Attends. Ce combat est beaucoup trop long pour ce que c'est hein. Et puis mais je me trompe encore beaucoup. Ah non mais c'est incroyable. Je me trompe encore de bouton. Non mais c'est dur. La vie est difficile par contre. Voilà. Allez, on tient le bon bout. Voilà, et après on le soigne évidemment, c'est important.
Je dis rattrapage, là, t'es pas dans un lundi, donc encore, c'est pour comprendre pas à quel jeu on joue. Non, mais il faut vraiment, enfin, de toute façon, normalement, mais si je peux dire, je peux même pas dire ça, lundi, je suis pas là, en vrai. Lundi, je suis pas là, donc je pourrais pas faire de stream, donc il y aura pas de lundi rattrapage, je vous l'annonce tout de suite. Lundi, c'est pas lundi rattrapage. Si Lou, elle fait un stream, bah, ça sera autre chose, mais en tout cas, moi, lundi, je peux pas, donc je pourrais pas encore faire lundi rattrapage. C'est dommage. Salut, bonne année à toi et à Lou. Comme je sais, j'ai mis beaucoup de temps pour vous souhaiter une bonne année. Bah, c'est pas grave, de toute façon, Raptors Villa, c'est mon deuxième stream de l'année, donc a priori, tout va bien. Si tu as du mal, c'est parce que tu ne joues pas Vegeta avec sa Big Bang Attack. Ouais, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Hein, on va voir si Gohan galère autant que son père. Mais non, mais ça va aller. Je commence à avoir le gameplay en main, évidemment. Évidemment. Bah, mais moi, je vais vous le dire. T'as un planning plus ou moins fixe pour les jeux rattrapage à streamer. Je vous avoue que pour le moment, non. Ah, mais c'est déjà fini. Enfin, l'arc est déjà fini, ok. Je vous avoue que pour le moment, non, en fait. Je vous avoue que je sais pas encore ce que je vais faire après. Après Dragon Ball. En vrai, je pensais pas qu'il me prendrait autant de temps non plus, mais bon. Voilà. C'est la question que je me pose depuis le début. Parce que bon, en vrai, il y a des jeux, hein. Il y a masse de jeux, mais je sais pas encore qu'est-ce qu'on fera après. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui attendent The World Ends With You, par exemple. Mais bon, pour ça, il faudrait que je me bouge aussi, hein, de mon côté. Après, je me disais peut-être éventuellement, je sais pas, peut-être que je pourrais toujours faire un sondage sur le jeu à suivre. Quand même, il y a pas mal de trucs. Enfin, moi-même, je sais pas ce qu'il y a en fait comme jeu à rattraper. Excusez-moi d'amis, c'est vrai, bonne année. Ah, bonne année. Y a pas de mal, on est toujours en janvier, soyez rassurés. The World Ends With You, je connais quelqu'un qui va t'intéresser. Mais oui, je sais. Salut Link Test. Et j'avoue, on n'a pas vu Dabla faire sa petite méditation de gros frimeur là. J'espère qu'il y aura des quêtes annexes pendant que Trunks devrait se dépêcher d'aller chercher le dragon radar. Non mais c'est ça aussi là, les 1 milliard de... Pourquoi on est là? Petite divergence au niveau... Finalement. Ah, et on peut partir en mode oui, non, mais Dabla, j'ai pas envie de l'affronter. Ah, mais, ok, d'accord, vous venez même avec moi, Vegeta, Goku, j'aurais pas de problème. Ah, on peut même pas te parler, Kaioshin. Kaioshin, il boude. Ah, je sais, il y a un truc que vous vouliez tout le temps voir là. Waouh. Ah, il a une aura verte, lui, attention. Et elle est. elle est un peu énorme, quand même. Alors, c'était pas comme ça qu'on courait, mais bon, je sais plus comment on court. Ah, ça y est, on le voit. Ah, non, mais vous m'embêtez là, vous voyez pas que je suis en train de regarder. Attendez, comment on fait? Bon, je me suis fait ruiner mon fun. Moi, tout ce que je voulais, c'était montrer l'aura de Dabla, puisque. Parce qu'on fait que me demander constamment de regarder les auras des méchants. Mais voilà, non, mais c'est pour ça, faut pas. Hein. Faut pas que je vous écoute des fois. Hein. Parce que à chaque fois que je le fais, ça se passe mal. Bon, ok. Bon, on va aller affronter. Bon, ok, non, mais voilà. Non, mais l'aura verte, quoi. Dabla, je savais pas que t'avais une aura verte. Hein. Ah, c'est comme ça qu'on court. Voilà. Voilà. Pensez que Cell va revenir avec le film Dragon Ball Super. C'est possible car ça parle du ruban rouge. Bah, je vous avoue que Cell. Cell, je pense pas. Cell, il est pas si marquant que ça, je pense, si je puis dire.
C'est pas Freezer ou Broly, Cell. Du coup, c'est pas le personnage que les gens attendent le plus de revoir. Je dirais que s'il y a un autre personnage qui devait revenir, et peut-être qu'il est dans le manga après, hein, je dis pas. Je sais qu'il y a un manga Dragon Ball, le super aussi. Le personnage, parce que je suis pas du tout hein, le manga. Le seul truc que je sais, c'est la chèvre là qui fusionne avec. Là, je me fais dégommer, tape là, il est déchaîné là. Je dirais que. Ok, attends. Ok, lui c'est un énervé de la vie. Il fait que enchaîner les attaques là, c'est bon. On va énerver. Je vais jamais finir ma phrase, hein. Mais le personnage qu'il n'y a pas dans Dragon Ball, dans la série principale, et que tout le monde aime, c'est le père de Son Goku. Mais bon, comme je dis, peut-être qu'il est dans le manga après, hein. C'est pas impossible non plus. Parce que je ne suis pas le manga, donc. Même si j'avais commencé à... Enfin bon, je diverge un peu parce que j'avais commencé à regarder un peu le mini-animal... le mini-animé, pas animal, je dis n'importe quoi. Le mini-animé Super Dragon Ball Heroes et c'était plutôt sympa. Raditz, bah oui, évidemment Raditz, ouais, il faudrait qu'on revoie Raditz aussi. En vrai, il y a Raditz dans Kakarot, c'est plutôt cool. T'as dit qu'il allait galérer autant que son père. Oui, Moro. Alors que suivant Moro, il sera plus intéressant. Il est plus intéressant, pas il sera plus intéressant. Bon, après, comme je vous ai dit, moi, de toute façon, peut-être qu'un jour, je lirai le manga, hein, quand même, parce que... Les avis sur le manga, ils sont tellement divergents, finalement, que... Ah. D'accord. Allez, on va regarder un peu ce que fait Videl finalement. On va jouer Videl là, on pense. Oh, Videl, alors elle aurait pu faire des trucs sympas hein, dans le manga, je trouve. Mais elle a rien fait finalement. Moi je dis, il a mangé plein de vieux Broly pour avoir une voix verte comme ça. Peut-être s'est fait désintégrer en même temps. C'est sûr que ça va être compliqué de le ramener. Aussi. Mais bon, avec les Dragon Ball, on peut s'attendre à tout maintenant. Oui, il est apparu en flashback. Ouais, il est apparu en flashback, le père de Son Goku, dans le film Broly, justement. Avec la mère de Son Goku, elle est très cool, la mère de Son Goku. J'aime beaucoup le design de la mère de Son Goku, qu'on se le dise. Attendez là, c'est le moment, enfin c'était le moment où vous parliez avec le dragon de radar, mais finalement il va peut-être y avoir des quêtes annexes. C'est aujourd'hui qu'il faut s'apprêter à donner toute notre énergie, je crois que j'en ai durable. Alors je sais pas si on va donner toute notre énergie aujourd'hui parce que bon... Elle s'appelle Jiné je crois la mère de Goku. En vrai on sait pas grand chose de elle, la mère de Son Goku. C'est juste elle est gentille et coupe de la viande et... Et qu'elle a un design cool. Du coup, c'est tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas? Oh, attendez, là, ça va être la scène. Bonne année, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté pour les fêtes. Ouais, ça va. Merci beaucoup, Pierre, pour l'abonnement. Et bah, pour bonne année à toi aussi. Ce que j'aime bien chez Vegeta, c'est qu'avant c'était un gros dur qui pensait qu'à lui-même, enfin je crois. Et maintenant il se bat pour sa famille et ça, c'est beau. Ah non, mais Vegeta, il y a bien glow up. Hein. Vegeta, il y a bien glow up. Merci Ghosty, à bientôt. T'en fuis pas, bah oui, mais il va s'enfuir où là? Il va aller où? Il va partir. Après, la meilleure scène, c'est celle avec le couteau en bouche lorsque Caillou raconte l'histoire de la planète. Ah là 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 là.
À l'époque où l'animé ils avaient craqué, ils savaient pas ce que c'était un Saiyan, alors ils te mettaient des Saiyans de toutes les couleurs là, des Saiyans fluo, n'importe quoi. Et quand on y pense, comme pratiquement tous les Saiyans sont morts, ils doivent tous être dans l'au-delà, non? Et genre jamais Goku il se dit si j'allais voir comment ils sont pour m'entraîner avec eux. Bah en fait non, parce que dans l'au-delà, en fait, n'est gardé les personnes... enfin, les personnes qui gardent leur corps comme son Goku, elles sont assez rares. En fait, c'est que des personnes qui ont fait des trucs bien dans leur vie, genre ils ont aidé le monde, protégé le monde ou des trucs comme ça, que les Saiyans n'ont pas vraiment fait. Donc du coup... Goku, enfin, il n'y a pas de Saiyan, enfin, je pense pas, tout du moins. Limite, le seul Saiyan qui devrait peut-être y avoir, éventuellement, ce serait peut-être le père de son Goku, Bardock, mais ouais, il a quand même fait des choses pas très très gentilles. Et en plus, c'est devenu un mème, là, Vegeta, dans cette scène, là. Récemment, là, on le voit partout. Enfin, en ce moment, je le vois un peu partout, en accéléré, évidemment, mais... Ouais, elle est plutôt calme, hein. Ouais, elle est plutôt calme. Qu'est-ce que Gohan est grand? Gohan est grand, hein. Gohan est grand, en vrai. Peut-être l'un des personnages les plus grands. Oublie-tu hein. De penser maléfique. Ça vous arrive pas, vous aussi, d'oublier vos pensées maléfiques des fois? Parce qu'il en a marre d'être tout petit, le petit Vegeta. Ah, la musique de Broly en arrière-plan, en plus, ça fait plaisir. En vrai, j'ai pas eu de problème avec les copyrights, hein. Bon, je sais qu'on revient... Allez, ouais, ouais. Je sais que j'y reviens un peu tard, mais... Tami, j'espère que t'es au courant que sans Gohan, ça veut dire repas. Gohan, ouais, je sais que c'est le repas, ouais, effectivement. C'est le riz aussi, hein, que ce soit. Vraiment. Bravo Vegeta qui gagne de l'XP alors qu'il est devenu méchant, bravo! Ah mince! Je suis pas sur le jeu pour ça. Parce que j'étais remonté sur le chat pendant la cinématique. Oh, on va même avoir cette scène! Oh, je me... Ok, d'accord. Mais par contre, la scène de la punch machine, là, par contre, non. Hein. Bon, allez, on va arrêter de taquiner, on est beaucoup trop taquin, aujourd'hui. Ce soir, trop de taquinerie. Hein. Spectateur A, comment as-tu osé, Vegeta, faire un truc à spectateur A? Kobe, il en a dégommé avec celui-là, les spectateurs font trop bas pour le zéro dégâts. Ah non, il en a tué pas mal là. Enfin, on sait pas actuellement, ça a jamais été dit combien. Je dirais qu'il en a peut-être fait 12, mais. Pour le spectateur ABC. C'est intolérable, on n'a pas eu la machine que Vegeta explose avec son poing, mais oui. Oh ouais, cette scène, elle est.
Cette scène elle est trop bien en vrai. Je l'ai revu en plus il y a... je crois que c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a, je sais pas pourquoi, quelqu'un sur Twitter a décidé de partager ce moment en disant ouais, meilleur moment de Dragon Ball. Je sais même pas comment je suis tombé là-dessus, mais voilà, la punch machine. Comment oses-tu? Cette rivalité est tout pour moi. Ah non mais c'est le moment. C'est le moment de Vegeta. Et on gâche toute cette scène en parlant de Punch Machine quoi. Incroyable. お待ちなさい。どうしても対決したいというなら、この私を倒してからになさい。お父さん。わかりました。お好きになさい。 En plaisante pas avec Goku. Goku quand il veut faire le combat, il fait le combat. C'est tout. J'ai pas envie de voir Vegeta se faire exploser par Goku. Peut-être qu'on jouera Vegeta, vous ne savez pas finalement. C'est bien, Vegeta est sympa, il écoute et tout. Majin Buu a été chimé, mais il n'y a pas de problème. Attendez, c'est quoi le bouton? Bon, tant pis. Ah, c'est Y, ok, pas X. Vegeta, yame saserun da ya. Yamamono wa shimatsu shiro. Si vous l'estimez vers quel niveau nul. Enfin, je dis ça, mais c'est un joli joueur. En vrai, Shin, je pense. En vrai, Shin, je sais pas en fait. Ils ont l'air de dire qu'il est peut-être pas au niveau de Freezer. En dessous de Freezer. J'imagine qu'il est peut-être en dessous de Freezer. Ça donne combien d'XP les spectateurs? Oh, pas beaucoup. Hein. バビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとは。それほどまで俺と決着をつけたかったんか。ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしても。 あいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて、マジンブーの戦いを持つ前に蘇っては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー。 ようこそ! Vegeta! Ah! Vegeta, il a une aura blanche, lui, par contre. Voilà. Superbe aura de Vegeta. Yaruka, Vegeta!
Mais c'est qu'il est pas petit, Dabla. Ah non, Dabla est grand. Dabla est grand. On nous risque de faire apparaître de méchants, etc. Ah, mais Goku il s'en fiche, il est mort à Vegeta et il veut son combat. Ah donc ok Vegeta, c'est toi qui as eu la priorité. En vrai j'aimerais bien voir quand même si on peut faire une attaque ensemble. Vegeta, fais des galicos. Moi je veux voir si on peut faire une bataille de beam là. Parce qu'au final Vegeta t'es trop bête. Attendez, c'est le camion à guider. Ah non, ok, on peut vraiment pas, hein. Genre, on peut vraiment pas, genre, je m'attendais à ce qu'on puisse quand même, bon, on peut pas, je sais que c'est genre la question que je me pose depuis le début du jeu, et genre à chaque fois que j'arrête de jouer, je reteste au cas où, mais... Mais bon, d'un côté, c'est comme genre le truc de Dragon Ball. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, Vegeta. Que je ne me trompe pas de bouton. En plus, vous voyez, en plus... Ok, d'accord, ouais. Merci Vegeta. De vous montrer justement... Bon, du coup, il a pas... Il a pas... Vegeta, il a crié. C'était pas une bonne idée. Il les enchaîne. Il les enchaîne. Et il a tout appris. Il a tout appris de... Il a tout appris de... Il a tout appris de notre façon de jouer, Vegeta. Il est incroyable. Il esquive tout, genre... Quel talent, le Vegeta! Non, je me suis trompé de bouton. Elle est trop longue cette attaque, Vegeta. Tu devrais pas la faire, tu devrais faire que Big Bang Attack. Hein. C'est mieux. Ah, je savais qu'il allait faire ça. Je le savais.
Il est sérieux, Vegeta. Merci beaucoup, Holo. C'est Rika pour l'abonnement. Bonsoir, je passe vite fait pour souhaiter un bon stream à tout le monde et en ce magnifique lundi rattrapage. Merci, merci. Non, mais c'était un beau lundi aujourd'hui, moi, je trouve, aussi. J'arrive même pas à faire les skis, je sais pas pourquoi. On va utiliser une petite boubou de mignonne là. Ah, il a tout. Ah, il a tout évité. Quel talent ce Vegeta, hein, franchement. Alors, on l'a battu à son propre jeu. Bien joué! Si, si, il fait des Final Flash. Si, si, il faisait des Final Flash. Alors qu'il dit qu'il passe en mode burst alors qu'il a bientôt fini de se lâcher dans le dernier round. Je suis né à Pokémon, j'ai jamais atteint le mode du final. J'ai jamais. On n'a pas à rejouer. Enfin, si, on a rejoué un peu à Pokémon, mais pas tant que ça. Hein. C'est un truc qui me rend un peu triste d'ailleurs que j'ai jamais fini de Pokémon finalement. Les émotions mielleuses! Oh, Vegeta! Et c'était agréable, oui. だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか。 Pendant ce temps-là, Babidi envoya ses sbires afin d'éviter que la boule de boue ne soit endommagée. Sacré sbire. Les fameux sbires, d'ailleurs. Aussi, accessoirement. Quel sbire? Bah voyons, les sbires! Oh là là! Il a déchaîné toute sa puissance. Et tu peux pas dire qu'il a déchaîné toute sa puissance. Sbire du ruban rouge incoming. Oh purée, imaginez, ils avaient envoyé là une armée de robots pirates, ça aurait été incroyable. Compassion est trop bizarre, alors je refais le méchant. Mais en même temps, d'un côté. Oh, merci beaucoup, Holo Sirika, pour avoir offert un abonnement. Comprenez, il pouvait pas se battre à son plein potentiel contre Sangoku parce que il était devenu trop gentil. Ça lui manquait le piment dans la vie. Elle est incroyable cette scène en français là. Comment le roi Neptune, parce qu'il s'appelle Neptune en français, Shin, il se moque, c'est incroyable. Taïbou arrive, ouais, c'est bon, on arrive à la naissance de Bou. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le gentil Boubou qui n'est pas gentil. Mais il est incroyable, hein. Il est incroyable quand même. Oh, merci beaucoup Holo Sirika d'avoir offert un autre abonnement. Encore, merci beaucoup.
L'arc debout, il est incroyable en vrai. Là, on va juste se concentrer sur les combats, j'imagine. Du coup, on verra pas toute l'évolution du personnage debout, mais. Ah, il est pas mal quand même, il est pas mal. Mais bon, c'est ça. Il y avait un peu quand même dans le. Il y en avait un peu dans le jeu Game Boy Advance, c'était plutôt cool. Magie légendaire, ce type de fou. Je n'oublierai jamais ce visage menaçant, évidemment. Regardez-le, il est tellement menaçant aussi. Boubou a faim, mais... Au revoir. Merci beaucoup Holocerica pour l'abonnement à nouveau. Donc sur mon ordi, je crois que j'ai pas de scène avec Bou. Je peux pas vous montrer des scènes avec Bou, je crois. Ah si, j'en ai une. Désolé pour le spam d'alerte, tant mieux, y a pas de mal. Peut juste battre avec des jeux et de la nourriture. Oh là là. C'est trop méchant. Mais voilà, non mais c'est là on voit que c'est. Ah, salut Yamcha. Subarashi. Sugoi zo Majin Buu. Agatta. Majin Buu no ki ga bakkatsudeki ni agatta. こんなはずでは Si seulement de temps en temps je regardais un peu ce qui se passait du monde des mortels, dans le monde des mortels. Ça, Majin Buu ya, boku no iu koto o kike, ii na. Ça, sakaratte mo ii no ka, boku wa papa no noto o mite shitte iru nda zo. Omae o tama ni fuji komete shimau jumon o. D'ailleurs, fun fact, Bou en français est doublé par la même personne que qui fait Sangoku du coup. Donc c'est très rigolo à entendre les moments où Sangoku et Bou se parlent en VF. Se battre par Hunting de Babidi. Ah mais non mais. Ah. Petite aura mélange de rose orange. Très très joli tout ça. Non mais tu sens que Babidi il ferait pas un bon père Babidi. Aussi mauvais que son propre père. Oh non, il fait une boule dévastatrice! Oh, bien joué! Bien joué, quelle vitesse incroyable! Mais non! Il voulait faire sa boule! On a ruiné son fun! C'est comme ça qu'on ruine le fun de Bou.
Sinon, on lui demande des exercices. Aussi. Lui n'aime pas l'école. C'est confirmé dans Dragon Ball Super. Wow. Ok, et c'est la première fois qu'on... Non. C'est la première fois qu'on a une attaque comme ça, je crois. Le fameux coup de poing dévastateur, attention. Wow, eh non mais là... Terrible cette attaque, terrible. J'espère que ce sera la seule fois où on va se prendre. En vrai, je ne suis pas trompé de bouton. En vrai, c'est juste appuyé. En vrai, je peux même pas faire des techniques. Ah, si, attends. Bon, j'ai appuyé sur regard, mais ça n'a. Soit ça n'a pas fonctionné. Soit ça ne sert à rien. Ah si, c'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi à garder cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok. Fait rien. Mon bout était moins énervé quand même que... Dabla, hein. Il est sympa. Est-ce que Sangohan va continuer à attaquer? Ah non, pas aujourd'hui, ça va. Il est sympa. Cette portée, quelle est son attaque? Ah mais non. J'espère qu'ils vont pas tous savoir ça maintenant, tous les ennemis suivants, là, parce que... On va dire, Janemba. Hein. Gohan va augmenter le niveau alors qu'il a perdu. Ah, mais c'est pas gentil de frapper quelqu'un qui dort. Hey, j'avoue, est-ce que Dabla, enfin, est-ce que le truc de Dabla, il va être prêt ou pas? Ou genre il va être censuré? Il semblerait, hein, quand même. Parce que normalement Dabla, il plante Majin Buu avec une lance. Et... J'imagine que le jeu l'a censuré pour le coup. Bon, parce que là, Bou, il est énervé pour rien, en vrai. En vrai, là, Bou, il est énervé pour rien. Ah, mais ils ont fait le gâteau d'Abla, c'est trop bien. Il est... Subarashizo, Majin Buu. Ah, il n'y a pas eu la scène aussi où Gohan et Trunks, ils détruisent Piccolo. Il peut faire ça, ouais, non, mais Bou, il est littéralement cheaté, hein. Il est vraiment trop fort. C'est vraiment un personnage abusément fort, hein, mais vraiment, genre. Vous voyez là, les Marisu, et ben c'est Bou. Il a grandi tout seul dans sa forêt à 3 ans, à l'âge de 3 ans. Il a été recueilli ensuite par les moineaux des montagnes à l'âge de 5 ans. Il a grandi avec, exactement, tout ça. Tout ça, c'est magique. Évidemment, il est extrêmement fort, il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà.
Et encore, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein, parce que vous, après, il aura d'autres talents. Bon, je dis ça en mode, voilà, il y a des gens qui connaissent pas. Mais après, il y a des gens qui connaissent pas Dragon Ball, donc du coup, je vais pas trop en dire, parce que comme ça, ça y a. Ceux qui connaissent pas, ils... C'est Firos. Comme ça, ceux qui connaissent pas, éventuellement, pourront découvrir. Ah, c'est beau la détermination, Vegeta. J'ai vu la scène du festin en vie, je veux bien croire que ce truc est abusé. Ah oui, non, mais la scène du festin en vie est incroyable, oui. Mais bon, le personnage en lui-même quand même, il a du développement quand même, en vrai, le personnage dans l'anime, enfin dans le manga aussi. Et c'est sympa à suivre l'aventure de Boo, même s'il est quand même terrible quand même au point de, bah voilà, vous avez vu, il mange des gens. Au dernier moment, il mange plus les gens, enfin, si je puis dire, enfin, c'est compliqué, mais voilà. Ils ont pas su modéliser une lance. Non, mais je pense vraiment que c'est pour le coup d'ascenseur. Pour pas que ça choque, j'imagine, même si bon Boo est pas vraiment humain, mais voilà. Il y a plein de trucs qui sont fait censurer dans Dragon Ball d'ailleurs, hein, dans les rééditions suivantes. Je sais pas s'ils essaient de censurer celle, mais à quel point ils vont censurer les bonbons. J'avoue, mais ils ont pas censuré le fait qu'il a mangé d'Abla quand même. Du coup, c'est terrible quand même. Honnêtement, je trouve quand même que c'est genre les pires morts que tu puisses avoir dans un média, ce genre de là. Enfin, c'est pas les pires, bien sûr, il y a des morts bien pires que ça, mais... La transformation en Super Saiyan 2 de Vegeta est désormais disponible. Vous pouvez jouer... Ah mais attendez, c'est la fin de la VOD, moi je le sais. Donc du coup, on va arrêter la VOD ici. Avec le Vegeta pas content, là. Oh là là, il est magnifique, il est splendide. Merci, et à bientôt.